Aloha! Aloha, Pupi Game Europe, comment vas-tu? Aloha, ma chère Padawan Saskia! Comment est-ce que ça va? Je suis trop contente aujourd'hui de faire un live, j'avais trop envie. Et en plus, ça me donne une bonne, un bon coup de pied aux fesses pour avancer sur mon projet de roman. Parce que j'avoue, j'ai pas écrit depuis la semaine dernière et du coup, tous les jours, je me dis, faut j'écris, faut j'écris! Ouais, du coup, voilà, je me dis, autant le faire en live, ça peut être sympa. Oui, ça va aussi, merci beaucoup. Je suis contente parce que j'ai réussi à relancer mon logiciel de stream parce que j'avais des difficultés récemment. Et j'ai réussi a priori à tout paramétrer, il y a la musique, le micro et tout, donc c'est cool. Ah, ça marche, oui, ça va aussi, merci beaucoup. Et vous deux, comment ça va? Et aloha, mon frère. Allez, on se motive mutuellement. Oui. Je rampe sur la couverture, c'est vrai. Qu'est-ce qui te pose problème, Saskia, tu veux me dire? Mais grave, on est là pour se motiver les uns les autres, pour voilà, histoire d'avancer ensemble quoi, c'est cool, je trouve qu'il y a une super dynamique et tout. Aloha Bernay, comment vas-tu? Bienvenue. Du coup, ouais, je vais faire un petit live écriture et je suis trop contente parce que du coup. J'aime trop ce que j'écris, voilà. Et c'est cool. C'est trop cool. Puis ça faisait longtemps, donc c'est cool. Puis là, c'est un gros projet, alors ça me tient vraiment à cœur. Un visage de mec, je fais ça avec zéro modèle. Waouh! Tu m'étonnes, ouais. Ok, bah bon courage, Saskia. Tu peux y arriver. Pardon, tu peux y arriver. Bon, en tout cas, moi j'ai pris de quoi boire, de quoi manger, parce qu'il faut pas déconner. Et puis ben let's go let's go Pépito hein. Ce que je vous propose du coup, donc aujourd'hui je fais un live écriture sur mon projet de roman pour avancer dessus, voilà, qui s'intitule Onirique. Et l'idée c'est que c'est un roman de science-fiction. Voilà, j'ai bon, plusieurs héros principaux, mais disons que les deux plus principaux que les autres, c'est deux meilleurs amis, deux mecs qui s'appellent David et Osiris. Voilà. Et puis pour l'instant, j'ai déjà écrit le prologue, donc c'est ce que vous avez là à l'écran pour le moment. Et j'ai commencé le chapitre 1. Voilà. J'ai plus ou moins, grâce à la méthode Flocon, faut que je fasse une petite vidéo là-dessus d'ailleurs, j'avais prévu de faire ça. Mais en fait, je sors pas trop de vidéos montées en tant que telles en ce moment, parce que je ne peux plus monter. En ce moment, c'est compliqué. Mais l'escache, je t'ai envoyé un pigeon voyageur, tu l'as pas reçu, ouais. Je l'ai envoyé de ma fenêtre là il y a 5 minutes. Hein. Aloha, l'escache. Du coup, ouais, je peux plus monter donc ça m'embête puisque j'ai plein de vidéos que je voudrais sortir et je suis un peu ralentie en ce moment. Cette semaine, normalement, je teste une solution de secours. Voilà, je vais montrer sur l'ordinateur d'une amie. On verra si ça marche et tout. Si ça marche, bon, je vais pouvoir refaire un peu des petites vidéos sympas sur YouTube. Du coup, en attendant, je m'amuse avec les IGTV sur Insta. Voilà. Que vous dire de plus? Je n'ai pas fait mon petit message sur Instagram d'ailleurs. Donc, je vais le faire de ce pas. Voilà. Comme ça, ce sera annoncé aussi sur Insta. Alors, quel petit filtre on va mettre aujourd'hui? Lundi mood. Oh, c'est bien ça, lundi mood. Mais je t'ai envoyé un pigeon voyageur, Leska. Tu l'as pas reçu? Je t'ai envoyé un pigeon voyageur. Je suis désolée, je suis complètement zappée. Je suis désolée. Je me ferai pardonner. Le lundi mood, on le voit pas là. Je vais refaire ma petite photo. Hop, voilà. C'est bien ça. Je m'auto-congratule, qu'est-ce qu'il y a? Mes fenêtres sont fermées. Mais oui, mais voilà, si tu l'empêches aussi de venir chez toi, forcément, je ne peux pas te passer le message. Alors, je fais mon petit message sur Instagram, donc en live sur Twitch, le lien est en bio. Est en bio. Venez, on est bien. Non. Venez, venez. Non. Ça me plaît pas, juste le lien est en bio. Et puis je vais mettre un petit cœur. C'est bien les petits cœurs. Hop!
Et je vais mettre un petit gif Twitch. Ça me plaît bien. Sinon, Leska, comment vas-tu? Parce que ça arrive, ça dit que le pigeon voyageur n'arrive pas parce que les fenêtres sont fermées, mais ça me dit pas ça me dit pas comment ça va, hein. Désolée, je me faisais une tartine. Ah, ok, t'es excusée parce que c'est de la bouffe. Tartine de quoi d'ailleurs? Genre une tartine sucrée ou salée ou tartine de quoi? Et bon bah voilà, petit message sur Insta, c'est fait. Je vais mettre mes notifications en silencieux parce que sinon, hop, je vais me perdre et qu'il y aura trop de notifs et que ça va me stresser. Notification, mettez tac, hop, voilà. J'ai fait ma story. Est-ce qu'elle est assez postée? Oui, elle s'est postée, formidable. Pâté végétal. Oh, nice. Je sais plus quoi. Bah, en tout cas, à pas l'animal déjà, c'est déjà pas mal. C'est cool. C'est vachement cool. Bah, écoute, moi pour grignoter pendant ce stream, j'ai une barre de muesli chocolat noir. Chocolat au lait, pardon. J'ai des spéculoos et j'ai des fruits secs. Voilà. Et de l'eau. Parce qu'il faut boire de l'eau. C'est bien. Buvez de l'eau. C'est important. Bon, ce que je vous propose, avant que je me mette vraiment à écrire et puis qu'on se mette chacun voilà, dans nos petits trucs. J'ai annulé ma venue à la soirée Halloween. Oh mince! Quelqu'un qui m'a saoulé. Oh, flûte, c'est pas cool ça. C'est pas cool, Iska. Envie de passer ma soirée en sa présence. Ouais, cette personne ne te mérite pas en fait. Effectivement, c'est pas cool du coup, mais ouais, je vois l'idée. Oh, c'est trop dommage. Mais bon, en même temps, tu prends soin de toi. Et t'as complètement raison. Voilà. Du coup, oui, par rapport à... Avant de passer à l'écriture de mon roman, donc d'onirique, onirique d'ailleurs, je vous propose... j'ai envie de vous lire le prologue. Voilà. Déjà, parce que comme ça vous met un petit peu dans l'ambiance. Enfin, c'est juste le prologue, mais voilà. Et puis si vous pouvez me faire des retours, c'est vachement cool parce que bah, c'est la première fois que je le montre, le prologue, dans son intégralité. Et que ça fait très longtemps que je n'ai pas montré ma plume à quelqu'un. Voilà, donc je suis un peu stressée, j'avoue. Ça fait longtemps que je n'ai pas écrit. Donc je suis un peu stressée. Et surtout, ben, le fait que comme j'ai déjà écrit une première fois, là, le fait de le lire à l'oral, moi je vais me rendre compte s'il y a des tournures qui vont me faire bizarre ou pas à lire à l'oral. Une espèce de relecture aussi constructive pour moi-même quoi. Voilà, donc je vais de suite vous lire le prologue de mon roman qui s'intitule Onirique. Oh Liska, c'est pas cool, t'as plus de nouvelles? C'est pas ouf ça. Soirée d'anniversaire est très compromise car peu de gens peuvent venir. Ah, c'est quand ta soirée d'anniversaire? C'est lié au Covid, peut-être que les gens ne puissent plus venir du coup. Parce que nous, tu vois, par exemple, le week-end dernier, c'était mon week-end d'anniv et on a failli ne pas le faire à cause du Covid. Bon, finalement, ça a pu se faire, c'est cool. Mais autre chose à faire, ah. Pas ouf. Pas ouf, pas ouf. Je vais essayer de vous trouver une autre musique. Mais il faut que je trouve une musique libre de droit sympa pour vous lire le prologue. Parce que la musique actuelle, elle est trop, trop dynamique pour l'ambiance de mon prologue, je pense. Et avec le voyage annulé, pas fou le mois d'octobre, ouais, tu m'étonnes. Je vais toujours prendre les miennes. Oh, oui, sur ta chaîne, carrément. Avec plaisir, wesh. Hey, oh, je suis même pas abonnée, mais tiens, voilà. Et puis, est-ce qu'on mettrait pas toutes les cloches? Bien sûr que oui, faites pareil. Abonnez-vous. Merci beaucoup, Saskia, pour ton autorisation. Regardez, je vais vous donner le lien. Hop, faites péter le petit abonnement. Alors, donc les vidéos, elles sont toutes là. Bah écoute, parfait. Est-ce que
Laquelle on met ton? Bah on va toutes les mettre, hein. Médecin qui reprend sa perceuse. Oh. Franchement, je compatis de ouf l'ESCA parce que nous, nos voisins, là, depuis le confinement, donc t'imagines, depuis mars, ils font des travaux régulièrement, genre, bah tu vois comme toi, perceuse, marteau, aspirateur, et les mecs, ils passent l'aspi à 21h, quoi. J'ai limite envie de monter et de leur dire, les gars, lâchez votre aspi à 21h, bordel, enfin, c'est un délire. Ouais, Barney, c'est pas aussi simple, hein, mais franchement, dans ce genre de situation, ça donne envie d'écrire, tu vois, et de prendre ce voisin comme héros principal et de lui en faire voir de toutes les couleurs. Maison sans voisin, ouais, ce serait pas mal en vrai. Mais bon, nous, on aimerait bien déménager dans l'est de la France, dans les montagnes, donc peut-être qu'on trouvera un truc un peu plus tranquille. Dégage, mais la vie, je te donne un an. Oh, l'ESCA! Bon, du coup, je vais arrêter la musique là. Hop, je vais mettre en pause. Et du coup, est-ce qu'il y a une playlist ou pas? Oui, ah, il y a. Pourquoi il y a deux playlists? C'est ce qu'il y a. Pourquoi il y a deux playlists? Je ne sais pas ce que c'est, ça. C'est peut-être ça alors. 6? Ouais, c'est ça, il y en a 6, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah non, il n'y a pas toutes. Bon, on va mettre la playlist. Et puis, c'est pas grave s'il n'y a pas toutes parce que de toute façon. Est-ce que j'aurai le temps de poulir? Oui, au pire, je le remettrai. Donc, c'est parti pour la lecture du prologue de mon roman intitulé Onirique avec des musiques de fond autorisées et merci beaucoup et composées par Saskia. Désolée. C'est bon, j'ai baissé, normalement c'est mieux. Un ululement rompt le silence régnant en maître dans ce lieu boisé. Léger, fugace, ce cri s'enfonce entre les arbres. Il naît à l'est et se meurt à l'ouest, ce qui plonge de nouveau l'environnement dans un calme doux. La chouette tachetée se pose au creux de son tronc, observant les alentours de ses grands yeux noirs. Ses sens sont en alerte. C'est l'heure de chasse pour son espèce. Si un petit mammifère passe dans les parages, il fera un excellent repas. Sa tête tourne doucement vers la droite, le regard vif. Au moment où une proie semble s'approcher petit à petit, sans même s'en rendre compte, de son perchoir, une ombre plus imposante traverse l'obscurité. L'oiseau pénètre davantage dans son abri d'écorce, complice muette de la scène qui se déroule en contrebas. D'ailleurs, c'est complice muet, pas complice muette. Voyez, j'ai bien fait de leur lire. C'est l'oiseau. Une jeune femme zigzague entre les arbres avec mille précautions pour amoindrir le bruit de ses pas. Il faut dire que ni sa tenue ni son comportement semblent l'aider à se montrer discrète au cœur d'un paysage si naturel. Toute vêtue de blanc, les reflets de la lune s'amusent à se refléter sur sa robe si fluide et si légère. Peu adapté à une promenade dans les bois. Et que dire de ses pieds nus qui s'enfoncent dans les flaques d'eau pour en ressortir avec des bruits de succion? Néanmoins, cela ne l'incommode pas. Ni la température fraîche, ni l'humidité en suspens, ni la quiétude du coin. D'un coup d'œil extérieur, nous pouvons la confondre avec une jolie princesse des temps modernes par la douceur de son visage ou encore la clarté de ses yeux bleus. Tout comme cette tresse blonde qui rebondit le long de son dos, pouvant donner un indice quant à son compte d'origine. Toutefois, il n'en est rien. Tia, quoique rêveuse, vient d'une société, oui. Aïe, aïe, aïe. Tia, quoique rêveuse, vient d'une société on ne peut plus moderne. Entre dérèglements climatiques, politiques gouvernementales foireuses et autres bons technologiques, son monde ne fait pas vraiment envie. Malgré cela, elle l'aime.
Elle aime les gens, elle aime l'humanité et ses surprises, et elle aime l'amour, tout simplement. C'est d'ailleurs cette émotion qui cogne si fort dans sa poitrine en cet instant. Tandis qu'une brise tendre lui caresse le visage avec tendresse... Waouh, il y a deux fois le mot tendre, ça va pas. Qu'une brise douce, peut-être. Douce, on a dit, pas de cul. Tandis qu'une brise douce lui caresse le visage avec tendresse, faisant volter quelques mèches dorées devant son visage ovale... Waouh, j'ai mis deux fois visage, ça va pas. Donc quelques mèches blondes, on va mettre. Ou dorées, quelques mèches. Juste quelques mèches, c'est bien quelques mèches. Je recommence. Tandis qu'une brise douce lui caresse le visage avec tendresse, faisant volter quelques mèches, un soupir se glisse sur le roulé de ses lèvres abîmées par tant de mordillements frénétiques. Un tic parmi tant d'autres qui atteste de son état d'amoureuse transie. Il faut dire que, depuis qu'elle l'avait vu, plus grand-chose ne revêt d'une aussi grande importance que la mission de cette nuit. Elle a confiance en cet objet, qui pouvait tout changer dans leur relation jusqu'ici encore fantasmagorique. Dans sa main, un bâton d'un mètre et demi de bois blanc avec plusieurs gravures mystérieuses. Des symboles qui ne lui disaient rien, pour la plupart, sauf un en forme d'œil stylisé qui faisait écho à son tatouage sur le poignet. Tia parvient à destination, au cœur même de la clairière. Un vaste espace qui la fait se sentir si solitaire en cette heure tardive. Néanmoins, le décor reste enchanteur, et c'est avec un sourire conquis qu'elle se perd un instant dans une contemplation méditative. Tout est si reposant, si paisible. On est bien loin de l'agitation qui rythme son quotidien, au bureau. Derrière sa pile de dossiers à traiter et face à un agenda surbooké d'entretiens, il lui en faut généralement pas beaucoup pour s'autoriser une pause détente dans le café d'en face. Elle se secoue la tête, revenant dans le moment présent. Le temps lui est compté. Si on s'apercevait de son absence, qui sait ce qui pouvait lui arriver. Pouvait du coup, pas pourrait. À côté, la mort semble être une douce possibilité. C'est avec une détermination gonflée à bloc qu'elle s'engouffre dans une cavité rocheuse qui s'ouvre sur sa droite, près d'un chêne imposant. À son passage, une chouette quitte son foyer pour s'enfoncer dans les ténèbres d'un petit cri courroucé. Quelques minutes plus tard, la jeune femme ressort de ce trou béant creusé par la nature au fil du temps. Cette fois-ci, c'est un voile de satisfaction qui recouvre ses traits juvéniles. Le bâton est en place. Mission accomplie. Elle glisse alors sa main gauche sur la seconde, recouvrant intégralement son tatouage. Ses paupières se ferment, un léger murmure imperceptible s'échappe de sa gorge et sa silhouette disparaît doucement dans l'air. Son corps se décompose en une centaine de particules, semblables à de la poussière d'étoiles qui flirte avec le vent. Ça me plaît pas, poussière d'étoiles, je vais mettre poussière de feuilles. La poussière de feuilles, c'est bien. Avec le vent d'automne, oh, c'est carrément bien ça. Oui, je mangeaille, qu'est-ce qu'il y a? Quand elle rouvre les yeux, Tia se reconnecte doucement aux environs. Autour d'elle, l'open space, là où ses collègues rient à gorge déployée toute la journée entre deux réunions sérieuses. Un frisson de soulagement lui dénoue les muscles jusqu'ici crispés de tension. L'horloge centrale, en suspension dans l'air par la magie de la science holographique, indique minuit passé. Seulement 3 minutes depuis son départ. Tout est sous contrôle. Elle s'étire longuement, tel un félin, puis prend la direction de la sortie pour quitter les bureaux de la société. C'est d'une marche rapide qu'elle rejoint l'ascenseur, ne s'apercevant pas de cette présence inconnue cachée au fond de l'ombre de la grande pièce. Assise derrière la rangée de chaises la plus au fond, la personne attend que les deux portes ne se referment pour de bon, pour toucher son bracelet. Un halo lumineux éclaire alors son visage, faisant ressortir ses deux petits yeux noirs comme enfoncés dans leurs orbites. L'homme dirige sa bouche vers ce cercle en suspension et se met à parler à demi-voix. Il envoie ensuite le message au bon destinataire d'une pichenette. L'appareil technologique s'éteint de nouveau, retrouvant son aspect banal de bracelet de métal. Un rire se meurt dans le silence.
Voilà. C'est ce qui semblerait être mon prologue. J'en suis plutôt contente. Enfin, ouais. Plutôt contente de ce prologue. Voilà. J'aime cette chanson, cette musique-là. Et donc, j'ai commencé l'écriture du chapitre 1 qui s'appelle Aïe. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, de ce prologue-là. Bon, c'est un premier jet, hein. C'est un premier jet, c'est l'histoire de commencer quelque part. Et puis, bah, vous voyez, même à la lecture, à l'oral, j'ai déjà modifié deux, trois trucs. Et m'est avis que certainement j'en modifierai d'autres aux autres lectures. Voilà. Mais j'en suis quand même plutôt contente pour ce premier jet parce que ça fait vraiment longtemps que j'ai pas écrit et on n'a pas pu entendre le prologue quand on vient de lui annoncer une naissance. Ah! C'est vrai, Saskia! Bah, tu pourras les écouter avec le replay, écoute. Mais en tout cas, c'est une bonne nouvelle. Bravo! C'est une naissance dans ta famille, du coup, j'imagine. Du coup, t'es quoi? Cousine? Tante? Ça appelle à la suite, c'est vrai, Bernet. Merci, ça fait plaisir en tout cas. Ça fait vraiment plaisir. Cousine, cool! Une petite fille ou un petit garçon? Une autre cousine. Cool. Bah, ça aurait été aussi cool si ça avait été un cousin, en vrai. Le temps que les parents et que la petite vont bien, c'est le principal, j'ai envie de dire. Mais du coup, c'est con, Saskia. Franchement, ça s'est joué à 100 minutes. Bon, allez, du coup, je vais hop, garder ça à côté. On repasse sur un mood. Voilà, je garde ton anglais à côté. Donc, voilà, donc j'ai écrit le prologue. Et du coup, a priori, je vais découper mon roman en. Déjà, ça va être une duologie, parce que je sais déjà quels seront les tenants et aboutissants pour le tome 2. Voilà. Mais oui, félicitations pour la grande tête à Saskia. C'est clair. Et donc voilà, donc mon roman va être une duologie, parce que je sais vraiment quels seront les univers du tome 1 et du tome 2. Grande cousine, ouais, voilà. Et donc, je pense que je vais découper aussi chaque tome en plusieurs parties. Peut-être deux, peut-être trois, ce n'est pas encore déterminé. Et du coup, voilà, vous voyez ici le titre de la première partie s'appelle Oups. Et en fait, je vais jouer avec mes titres, aussi bien de parties que de chapitres, parce que j'aime beaucoup ça. Je sais plus, c'est dans des livres que j'ai lus quand j'étais plus jeune en fait. Il y avait des auteurs, franchement j'ai aucun titre en exemple en tête, mais en fait avec les titres de chapitres ça faisait une phrase, par exemple, ou une citation, ou enfin voilà, chaque morceau de titre individuellement faisait quelque chose et quand tu les mettais les uns à côté des autres ça faisait un autre truc. Et je trouvais ça vachement cool, donc je vais faire la même chose parce que j'aime beaucoup. Et donc voilà, donc partie 1, oups, et puis partie 2, partie 3 compléteront la phrase. Et donc ce chapitre 1 s'appelle Aïe, s'intitule Aïe, et j'ai très envie que mes chaque mot, phrase de début de chapitre soit le premier mot ou la première phrase qui est dit dans le chapitre en question. C'est pour ça que là, le premier mot de ce chapitre 1, c'est Aïe, parce que du coup, c'est le titre du chapitre 1. Voilà. La multiplication des relectures et des apports te feront modifier, c'est ce que j'ai toujours vu en écrivant même pour le boulot. Exactement, Bernet. Exactement. Après, je vais pas non plus faire 150 relectures parce que
Je pense que si tu te relis encore et encore et encore et encore, tu trouveras toujours à modifier quelque part. Et c'est un travail sans fin. Du coup, j'ai pas envie de passer ma vie à le relire parce qu'à un moment donné, je voudrais le publier, c'est sûr. Mais oui, c'est sûr que moi, je vais faire une première relecture. Je vais en faire une. Je pense que je vais en demander une ou deux à des gens de mon entourage. Je vais en demander une ou deux à des bêta lecteurs et bêta lectrices, sachant que j'en ai déjà une. Et puis, ça, voilà, ça fait déjà pas mal, quoi. Ça fait déjà une ou deux. Ça va faire, 5 relectures, c'est quand même pas mal du tout, je trouve. Enfin, je pense que c'est bien. Voilà. Et puis, sachant aussi que, bon, la correctrice ne va pas... le correcteur ou la correctrice que je vais contacter pour... quand je serai arrivée à cette étape-là, ne va pas me faire un retour pour modifier des trucs, mais voilà, globalement, je pense qu'elle me donnera aussi peut-être son retour sur le sens global du texte, et que s'il y a des trucs vraiment qui lui sautent aux yeux, je pourrais réécrire ce truc-là, mais nous n'en sommes pas là. Nous n'en sommes pas là du tout. Et je vais ouvrir mon paquet de fruits secs, voilà. Parce que j'ai un petit peu faim. Donc oui, effectivement, Barnet, plus tu fais de lecture et tu lis, relis, et réécris, en fait. Mais du coup, j'en suis pas encore à cette étape-là. On va voir. Donc là, je suis au chapitre 1. Donc c'est un titre. Donc voilà, donc je joue avec les titres de chapitres et de parties. Je trouve ça rigolo. Et je vais vous lire le début du chapitre 1, parce que comme je vais écrire la suite, ce serait pas mal que vous ayez le début. Donc Saskia, toi qui n'as pas entendu le prologue, en gros, on voit une jeune femme, on sait pas qui c'est, on sait juste qu'elle s'appelle Tia. Et donc Tia, elle vient d'une société moderne, similaire à la nôtre, avec des politiques foireuses et la technologie qui bondit de plus en plus. Et Tia est dans des bois, en pleine nuit. Elle est hyper amoureuse, c'est ce qui la motive pour sa présence en ces lieux. Et en fait, elle a un bâton, un grand bâton, qui fait 1,5 mètre, qu'elle tient dans sa main. Elle va dans une grotte, dans une caverne, et elle ressort sans le bâton, donc en fait, elle a mis le bâton à l'intérieur. Et après, à l'aide d'un tatouage qu'elle a sur son poignet, en forme d'œil, elle disparaît. Voilà, donc en gros, ça c'est le prologue. Le prologue raconte ça. Et donc là, nous sommes sur le chapitre 1, qui s'intitule Aïe. Donc je vais vous lire le début, comme ça après je me mets à l'écriture. Parce que c'est un live écriture quand même, hein, c'est pas un live lecture. Hein. Mais voilà. Aïe! Il se mit à sautiller sur place, se tenant le pied droit avec une grimace. Un second jeune homme s'approcha, l'air faussement inquiet et le sourire moqueur. Ils étaient sur le ponton d'un lac. C'est bien de se relire au doigt, en fait. Bah alors, qu'est-ce que tu fous? Je sais pas, là, j'ai marché sur un truc qui fait mal. Allez hop, pas le temps pour râler, tu fais « Ah !» Et un plouf interrompit cette voix surprise. Rapidement, leur rire se fit écho. Tu ne vas pas t'en sortir comme ça. David, depuis le bord, attrapa le pied de son acolyte et l'attira dans l'eau d'un geste brusque. Wow, j'ai mis encore leur rire fire écho. Ça va pas le faire ça. Peut-être mettre juste ici, rapidement, il est rire. Il est rire, ça se dit? Je sais pas. Il est rire. Non, ça se dit pas. Hein. Il est rire. Oh, merde, comment ça se conjugue ce mot? Oh putain. Je ne sais pas. Il faut que j'aille le. Bon, je m'en occupe après. Il rit quelque chose. Donc, je reprends. David, depuis le bord, attrapa le pied de son acolyte. Il attira dans l'eau d'un geste brusque. Leur rire fit écho aux vaguelettes qui se mirent à onduler dans tous les sens. Durant plusieurs heures, ils s'amusaient à diverses activités aquatiques,
toutes dans un état d'esprit de compétition. Le soleil commençait alors à décliner quand tous deux se retrouvèrent sur une rive, le souffle court et un air bienheureux sur le visage. Un vent chaud se leva, les enveloppant avec douceur. Un air bienheureux, point. Un air, c'est forcément sur le visage. La journée tombait petit à petit, amorçant la fin de son cycle pour laisser la place au crépuscule. C'est plusieurs nuances orangées et rosées qui flirtèrent alors dans les cieux, accompagnées par quelques scintillements précoces d'étoiles lointaines. Oz ? Ouais ? Me pose une question depuis tout ce temps, pourquoi t'as ce vieux prénom ? Ah, ça ! Ils éclatèrent de rire. Ouais, je pense que je vais mettre un truc comme ça, c'est ce qu'il y a. Et Aloha ! Alkaya, si je me trompe pas, bienvenue à toi dans ce live d'écriture. Donc là, je suis en train de vous lire mon début de chapitre 1 pour reprendre l'écriture du 10 chapitre juste après. J'espère que tu vas bien. Tu passes un coup de vent, je suis en montage de la vidéo que tu m'as ordonné de faire. Aloha Chris! C'est gentil de passer, merci beaucoup. Et que je t'ai ordonné. Non, je t'ai suggéré. En tout cas, bon montage à toi et merci beaucoup de passer, ça fait très plaisir. Oui, c'est Bibil, mais mon pseudo est vieux sur Twitch, oui. C'est Jenny, la mission Hippolyte. Ah oui, ça y est! Je remets. Ça me fait plaisir de te voir, merci de venir. C'est trop cool. J'espère que ça va te plaire. C'est un petit live chill tranquille. Hein. Non, elle m'a ordonné, elle est méchante avec moi, elle est violente et tout. Le marty fouet clouté, c'est bobo. Ah, c'est franchement la voix de quelqu'un qui utilise carrément le martifouille tous les jours. Et clouté en plus. En tout cas, bon courage, Chris. Sur ce, je vais boire un coup et je vais reprendre ma lecture du chapitre 1. Alors, nous disions donc. Pourquoi t'as ce vieux prénom ? Ah, ça. Il leva les yeux au ciel et se tortilla légèrement sur place pour mieux s'installer. De nouveau sur le ponton, les deux jeunes gens étaient assis face à l'astre couchant pour se réchauffer avec les derniers éclats de lumière. Il attrapa son t-shirt Pousella afin de se recouvrir et entama les explications d'une voix lasse. Je t'ai déjà dit que ma mère était chercheuse au CNRS ? Eh bien, elle est spécialisée en égyptologie. Alors j'adore ça aussi, hein, mais bon, de là à donner le prénom du dieu des morts à son gamin, quelle plaie ! Je suis sûre que ça va me porter malheur, cette connerie. David pouffa de rire avant de soupirer longuement. Il se réhabilla à son tour, sentant que la température tombait petit à petit avec le jour mourant. En plongeant sa main dans une poche de son short de bain, il en sortit son téléphone et siffla en constatant le nom affiché pour l'appel entrant. Mes parents, lâcha-t-il. Le fils désabusé décrocha en bondissant sur ses pieds, suivi par son ami. Osiris enfonça ses poings dans ses poches, frissonnant. Le soleil était à peine visible à l'horizon, sa chaleur perdait en terrain rapidement. Devant lui, la silhouette de son ami s'agitait dans tous les sens. Grandes expressions faciales, voix forte, gestes larges. Secrètement, il admirait cette personnalité expressive. David était son meilleur ami depuis 5 ans maintenant. Autant dire, depuis le début du lycée. Ensemble, ils avaient réussi à obtenir des notes acceptables dans toutes les matières pour suivre la voie désirée, la littérature. Aujourd'hui, ils sont dans la même université. Pour sa part, ce n'était pas son premier choix, parce que ses passions l'auraient davantage poussé vers l'informatique ou la nouvelle technologie. Mais il n'aurait pas supporté se retrouver seul. À tendance solitaire, cela avait été déjà un exploit que de réussir à se nouer une amitié. D'autant plus quand on avait des difficultés à s'ouvrir aux autres, comme lui. Sa mère lui avait maintes fois répété qu'il était important d'avoir un bon entourage. Tout en marchant, son propre téléphone vibra. Un message de sa mère, ou plutôt une photo. Elle paraissait rayonnante sur celle-ci. Un cocktail à la main et un panorama d'îles paradisiaques dans son dos. Quelques mots assuraient à son fils unique que son nouveau séjour détox se passait à merveille pour le moment et qu'elle voyait enfin la lumière au bout du tunnel. L'ombre d'un sourire se refléta dans son écran quand il lui répondit par un simple « Ok, bisous ». Il n'avait pas grand-chose de plus à lui dire, d'autant plus que ce n'était pas la première fois que sa mère feignait de se sortir enfin de cette spirale infernale.
alors qu'il n'y en était rien. C'était une boucle infinie. Cette pensée lui noua l'estomac et le cœur. Le premier lui fit monter une envie de vomir, le second loupa quelques battements. Des fourmillements désagréables roulèrent sur l'ensemble de son corps, tandis qu'un nœud se forma dans la gorge. Dans sa gorge. Des larmes de colère naquirent au coin de ses yeux, qu'il essuya d'un revers de la main avant d'être vu par David. Ce dernier continuait de parler énergiquement à quelques pas de là. Il renifla un peu, avant de prendre trois longues inspirations par le nez et de pousser trois longues expirations par la bouche. Cette méthode, toujours ou presque efficace, lui permit de trouver instantanément une sérénité émotionnelle et il rejoignit son meilleur ami d'un pas dynamique. À son approche, la conversation prit fin. Alors, qu'est-ce qu'il voulait cette fois-ci ? Oh, tu les connais, me raconter les derniers châteaux visités, la légende qui va avec, tout ça. J'ai beau leur dire que je n'ai pas le temps d'en parler, qu'ils ne m'écoutent pas et me déballent toute leur vie. T'as mal aux yeux ? Tu t'es chopé un truc ? Non, c'est le lac, t'inquiète. Premier arrivé, choix sur la télé ? Allez ! Et une course folle s'engagea. L'itinéraire ? Le lac est le point de départ. Un petit bois pour l'étape du milieu et le chalet familial de David comme point d'arrivée. Et du coup, j'en suis arrivée là, au niveau de l'écriture. Donc, on va régler cette histoire de rire. Voilà. Je vais mettre il pouffait, peut-être. Non. Il pouffait. Non, ça va pas. Il dit que la terre de rire, c'est mieux. Voilà. Hop. Donc je vous présente Osiris et David, deux meilleurs amis. Donc là, ils se connaissent depuis le lycée, donc ça fait 5 ans qu'ils se connaissent. Actuellement, ils sont en faculté, ils sont en deuxième année de lettres. Voilà, donc David, il a juste une maman. Non. Osiris, il a juste une maman. David a un père et une mère. Et en fait, il faut savoir que les parents de David voyagent beaucoup. Ils vivent un peu en mode hippie. Genre, ils ont un van. Ou une caravane, je sais pas encore. Et ils passent leur vie sur la route. Du coup, voilà, ils appellent régulièrement leur fils pour raconter leurs aventures, ce qu'ils ont vu, visiter, tout ça. Et du coup, le chalet leur appartient. C'est là où ils passent de temps en temps des vacances avec leur fils. Mais là, il y a juste les deux garçons. Voilà. Le truc, c'est que je peux pas les vérifier sur mon fichier ma structure de texte, parce que sinon vous allez tout voir et ça va tout vous spoiler. Et ce serait trop dommage. Que ça va vous spoiler les meilleurs moments. En vrai, ça m'embêterait que vous puissiez tout voir. Donc, je vais pas les regarder. Je vais essayer de m'en souvenir. Ou alors, je l'ouvre. Je sais pas comment faire. Parce que vous voyez, c'est genre là. Ma structure est là. Mais je vais l'ouvrir dans une fenêtre à côté, vous verrez pas. Comme j'ai deux écrans aujourd'hui, hop là, je glisse à côté et vous ne voyez rien. Je suis trop diabolique. Je vous remets sur la page de mon chapitre 1. Alors, niveau de ma structure. Parce que en fait, j'ai suivi la méthode Flocon, je sais pas si vous connaissez. C'est une méthode qui permet de structurer son ouvrage étape par étape. Je trouvais ça rassurant de faire ça pour ma part parce que c'est la première fois que je me lance dans l'écriture d'un roman. Que c'est un petit peu effrayant parce que jusqu'ici j'écris que des nouvelles. Il faudrait que je publie d'ailleurs. Enfin,
c'est autre chose, j'en ai là pour le moment. Et comme ça me faisait un peu peur, du coup, je cherchais des méthodes d'écriture sur internet. Et du coup, j'ai trouvé la méthode flocon, qui est une méthode qui a été inventée par un mec, un américain, je crois, si je me souviens bien. Il consiste du coup à structurer vraiment toute l'architecture de son roman, tout le squelette de son roman, en plusieurs étapes. Alors je crois que c'est une dizaine d'étapes. Moi je l'ai un peu réduit, j'ai fait que 6 étapes. Il y a certaines étapes que je les ai fusionnées ou des trucs comme ça. Parce que s'il y en a trop après, je sais que ça va me décourager. Donc voilà. Merci beaucoup pour le follow, Club Sans Twitch. Aloha, comment vas-tu? J'ai presque failli louper l'alerte. Et ça m'a un peu fait flipper parce que j'ai oublié que j'avais mis du son pour les alertes. Comment vas-tu? Bienvenue sur ce live d'écriture. Du coup, j'étais en train d'expliquer que j'ai utilisé la méthode flocon pour structurer un peu mon roman. Et ouais, du coup, en fait, dans toute la structure et tout, toute la recherche. Hop là. Toute la recherche de structure, etc. etc. J'ai pu, du coup, en fait, en suivant les étapes, voilà, je retrouve le fil de ce que je disais. En suivant les étapes de toutes ces méthodes, de toute cette méthode flocon, ça permet du coup vraiment de dessiner un squelette, de pouvoir dire ok, il y a telle partie, telle partie, telle partie, il y a telle action, telle action, telle action, tel événement, tel événement, tel événement, telle mort, telle mort, telle mort, telle surprise, tel suspense, tel truc crucial. Enfin voilà, ça permet vraiment de dessiner tout ça, un peu de lister en gros. Et après, en gros, il n'y a plus qu'à écrire entre gros guillemets. Je vais y arriver. Plutôt bien, et toi? Oui, ça va aussi, merci beaucoup. Célie, je sais plus si tu sais. Si, tu es la sœur de Juju, c'est ça? Si je me trompe pas. Je connais deux Ellie, mais il me semble que tu es la sœur de Juju. En tout cas, bienvenue, merci beaucoup de passer pour ton follow, ça fait très plaisir. Et donc, tout ça pour dire, par rapport à la méthode flocon, que j'ai fait 6 étapes au total. Et du coup, j'ai toute ma structure dans un coin. Donc bah, là, je vous la montre pas, parce que du coup, ça vous nique un peu tout le suspense et ça vous nique tout. Mais en gros, j'ai combien de parties? 1, 2, 3... Ouais, en gros, j'ai 3 parties, c'est ce que je disais tout à l'heure. J'ai 3 parties. Et donc là on est dans la première partie avec tout ça. Et a priori j'ai même mis quelle action va dans quel chapitre pour que je puisse savoir à peu près j'aurai combien de chapitres. En fait je compte 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, c'est à peu près ça. Enfin bon. Du coup, au bout de ce chapitre-là, c'est histoire de vraiment avancer progressivement, etc. Mais en tout cas, cette méthode-là, la méthode flocon, elle est vachement cool. Si jamais vous êtes comme moi, vous avez peur de vous lancer dans l'écriture d'un gros truc, donc là, d'un roman, ça rassure vachement. En tout cas, moi, ça m'a vachement rassuré d'avancer étape par étape et d'avoir vraiment bien dessiné le squelette avant de me lancer dans l'écriture en elle-même. C'est ça, tout à fait. Yes, j'ai une bonne mémoire. Pas forcément cette fixe, les idées, après rien ne t'empêche de faire des modifications. Ça te sert de guide. Exactement, Bernie, c'est ça en fait. Ça sert complètement de ça. Tu vois, c'est comme si quand tu te lances dans un labyrinthe, c'est comme si ça te dessinait le plan. Après, soit tu décides de suivre vraiment le plan et t'arrives au bout et hop, voilà. Ou soit tu te creuses toi-même tes propres chemins dans le labyrinthe pour aller voir d'autres coins de ce labyrinthe-là. Voilà, super, super métaphore, labyrinthique, que l'écriture, formidable, passons donc. Aïe, aïe, aïe. Bon, du coup, donc là, on est, donc, Ellie, du coup, pour rapidement t'expliquer, on est sur l'écriture de mon roman, qui s'intitule Onirique, ça va être de la science-fiction, et nous sommes sur le chapitre 1, lui-même s'appelant Aïe. Voilà. Et en début de live, j'ai lu le prologue
Et j'ai lu aussi tout ce premier chapitre. Donc si jamais tu pourras checker le replay si tu veux écouter un peu voir ce que ça donne. En tout cas, c'est vrai que l'écriture d'un roman, c'est quelque chose qui m'effraie un peu. Qui me fait un petit peu peur quand même, mais bon. Aloha, Anne-Soso, comment vas-tu? Ça me fait plaisir de te voir. Cucu à toi. Trop bien, merci. Je suis en pleine écriture aussi en ce moment pour la BD du dessin sans fin. Oh, c'est vrai. Et du coup, ça doit être légèrement différent, l'écriture d'une BD, j'imagine. Comment tu procèdes, si tu veux bien expliquer, t'es pas du tout obligé, tu peux me dire MDR, nope, j'ai pas envie de le dire. Enfin, avec tes mots, mais... tu peux complètement ne pas répondre à cette question. Si tu n'en as pas envie, sache-le, voilà. Ça va toi? Alors comme ça, tu écris en live? Oui. Ça va aussi, merci beaucoup. Oui, j'avais envie de me donner un coup de pied aux fesses pour écrire... Aloha Jenny, merci beaucoup pour ton follow et bienvenue. Et comment vas-tu? Mais oui, du coup, Anne-Sophie, j'avais envie d'écrire en live, ça me donne un petit coup de pied aux fesses pour écrire, puisque ça fait une semaine que j'ai pas mis un seul mot à mon roman. Et du coup, je me suis dit, vas-y, fais un live, ça t'écrira. Bon, du coup, je vous parle depuis tout à l'heure, j'écris pas, mais c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Ah mince, ça a coupé. Ah, flûte. Pourquoi on hurle? Je ne sais pas. Parce qu'on est trop contente de se voir. Je te disais, le club sandwich... Sandwich, du coup. Sans Twitch, si jamais tu veux bien nous parler un peu de comment ça fonctionne l'écriture d'un... L'écriture d'une BD par rapport à l'écriture d'un roman ou d'une nouvelle. Parce que j'imagine que ça doit être différent, parce qu'en plus, comme t'as l'apport graphique, est-ce que tu conçois d'abord, du coup, les dessins? Ou d'abord le texte? Ou après, est-ce que t'adaptes au milieu? Enfin, voilà. J'étais juste un peu curieuse. Oui, c'est l'Instagram de la BD sans fin est juste ouf. C'est le premier Insta que j'avais vu qui était à ce point travaillé. Et ça m'a rendu ouf. D'ailleurs, comment je suis tombée dessus? En vrai, je crois que je suis tombée sur... Ah, on est sur un délire saxo là, Anne-Sophie, t'as vu? Je crois que j'étais tombée sur ta BD, Ellie, avant de rencontrer Julia. Mais genre pas longtemps avant. Et que c'est quelques temps après qu'elle m'a dit « Oui, c'est ma sœur !» Et là, j'ai fait « Mais non !» Genre, improbabilité de ouf. Mais j'étais tombée genre quelques temps avant, je crois. Je crois. Mais ça commence à faire, alors, du coup, mes souvenirs ne sont pas tout à fait exacts. Bon, du coup, nous disions donc avec Osiris et David, ils sont en pleine course. Qui va remporter la course depuis le lac jusqu'au chalet? Donc l'itinéraire, le lac est sur le point et le point de départ, un petit bois pour l'étape du milieu et le chalet familial de David comme point d'arrivée. Et en plus, par rapport à ce moment-là précis de l'écriture du premier chapitre, à ce moment précis, tout à l'heure j'ai une idée pour ce moment précis là, en écoutant une vidéo de Simo écrit des livres, je sais pas si vous le connaissez, je vais vous envoyer sa chaîne parce qu'en vrai c'est trop cool. Simo écrit des livres. Hop. Je vous l'envoie. Non, je veux pas mettre cette vidéo là. Je veux juste écrire là. J'aime bien la chaîne. Désolée, ça n'arrive pas de couper au château, il n'y a pas la fibre. Flûte! Je te demandais simplement l'écriture. Oui, il me fait rire, il commence toujours ses vidéos avec un livre à l'envers. Tout très drôle. Le club sandwich, je te demandais simplement comment ça fonctionnait l'écriture d'une BD. Voilà. Je sais pas si tu vas recevoir ma demande. Ah! Ça déconne chez tout le monde, fichtre. La vidéo de news de mon Ulule est en cours de rendering. Du coup, c'est reviendu pour t'embêter. Bah, bienvenue, Christopher. Donc, je vous ai envoyé la chaîne YouTube de Simo. Enfin, bref, donc tout à l'heure, j'ai écouté une de ses vidéos qui était écrire de l'horreur, je crois.
Et ça m'a donné une idée pour ce moment précis de l'écriture. Si ça, ce n'est pas fantastique. Voilà, donc je vais pouvoir me baser là-dessus. Parce qu'en fait, là, au niveau de ce qui se passe, donc les garçons font une course, David et Osiris. Et... comme ils sont en pleine course et tout, ils vont traverser un petit bois. Et le problème, c'est qu'ils vont tomber dans une caverne, un truc comme ça. Chez moi aussi. Ah! Du coup, ça vient peut-être de chez moi alors. Si c'est chez tout le monde. Oups. Bah non. Je vois pas de problème. Attention, je vais éternuer. Allo, ok, attends. Ne vous inquiétez pas, c'était complètement Covid friendly ce que je viens de faire. Tout le monde est safe. Excusez-moi. Allo, Agel, comment vas-tu? Ça fait longtemps, ça fait plaisir. Et je vais bien, merci beaucoup. Et toi, comment ça va? Pas du tout, Chris, j'ai dit que c'était carrément Covid friendly. Bah là, je suis en train d'écrire une BD dont tu es le héros qui sera à la fois sous forme de livre, de webtoon et de fresque interactive comme la première, mais avec de la réalité augmentée. Sonore. Waouh! Du coup, c'est le début et pour l'instant, je fais l'arborescence du scénario avec le squelette et les enchaînements d'action. Oh, c'est juste ouf! C'est juste ouf, ouf, ouf! Mais c'est incroyable comme projet, Ellie. En tout cas, bon courage. Et merci pour à vos souhaits et blessings. Oui, quand j'éternue, j'éternue beaucoup de fois à la suite. Je crois que quand tu étais sur YouTube, t'as quoi à payer, Bibi, donc ça a fait ramer le stream. Ah oui, ça devait être ça, Chris. Exact. Je vais rester sur mon logiciel d'écriture, du coup. Ça va, merci, j'ai pas encore regardé toutes tes vidéos. Y'a pas de soucis, Gaëlle, aucun problème. Prends le temps que tu veux, tu n'es même pas obligé de toutes les regarder. Enfin voilà, c'est vraiment comme tu le sens. Aucun souci. Du coup, nous en étions à l'écriture ici. L'écriture de la course d'Osiris et David. Et ouais, donc je vous disais, j'ai regardé la dernière vidéo de. Enfin, une des dernières vidéos de Simo qui parlait de l'horreur. Et l'idée qui m'a bien plu. C'est que c'est de jouer sur le fait que comme ils vont atterrir dans une espèce de galerie souterraine, ils vont se retrouver un peu genre coincés, genre enfin ça va être étroit et tout. Genre, j'ai envie que ce soit un moment angoissant en fait. Oui, j'ai envie que mon roman commence sur un moment angoissant. Qu'est-ce qu'il y a? Exactement. Je vais essayer de streamer au maximum pendant ma résidence dans moi là, mais c'est pas sûr que j'arrive avec la connexion pas ouf. Ouais, tu m'étonnes. Mais de rien, t'as un super projet, c'est trop cool. C'est beaucoup trop cool. N'hésite pas à mettre ton Insta sur le... Parce que du coup, si je le fais, ça va te faire bugger. Mais n'hésite pas à mettre ton Insta sur le live. Si je prends le temps de faire mon point... Si, je prends le temps de faire mon point, ok. Mais je ne comprends pas un truc sur ta chaîne YouTube. Que ne comprends-tu pas, Gaëlle? Dis-moi tout. Si je peux t'aider, c'est avec plaisir. On dirait qu'un Tilden t'a inspiré Abby. Ouais, un petit peu, complètement. Il y a moyen aussi que je me sois laissé inspirer par ce jeu qui m'a un petit peu beaucoup traumatisée. Et que d'ailleurs, je vais recommencer en stream parce que du coup, j'ai perdu le stream. Est-ce que je suis contente de l'avoir perdu? Non. Je suis trop deg de l'avoir perdu. Mais ouais, je vais le refaire. Mais grave, il y a moyen qu'un Tilden m'inspire aussi. Bah, en vrai, l'horreur, c'est quelque chose qui me fascine depuis quelques temps. Alors, pas depuis toujours, parce que quand j'étais gamine, je détestais ça. Et ça fait depuis que très peu de temps que j'ose regarder des films d'horreur et que j'ose me dire, ouais, j'ai envie de m'intéresser. Enfin, clairement, il y a 3 ans, vous m'auriez dit, ouais, tu vas jouer à un Tilden. Bah non, en fait. Non, c'est un jeu d'horreur, je ne jouerai pas à ça. Re-coucou, il n'y a pas de souci. Pourquoi il n'y a pas 1 million d'abonnés, des millions de vues? Ah, c'est gentil. Bah, je sais pas. Parce qu'il n'y a pas encore assez d'abonnements. Tout talent m'impressionne toujours. Oh, tu fais trop plaisir, Gaëlle. Merci beaucoup.
Merci, ça me touche. Écoute, je me donne tout ce qu'il faut pour la littérature indé. Voilà. Peut-être que mes bouquins t'ont inspiré aussi, du coup. Bah, peut-être, honnêtement, je pense que au niveau inspiration, il y a plein de trucs que tu peux prendre de partout. Mais là, du coup, on va partir sur la course de Osiris et David, qui vont atterrir dans une. En fait, j'imagine vraiment la. Enfin, j'ai la scène dans la tête. Je sais exactement comment elle se passe. Voilà, ils courent dans les bois. Il y a une espèce d'éboulement. Et t'en as un des deux qui tombe. Il atterrit dans une cavité. L'autre le rejoint. Il s'enfonce dans une galerie. Et là, ils se retrouvent coincés. Ça va être étroit et tout, etc., etc. Enfin, voilà. Oh, Gaëlle, tu vas me faire rougir. Ça fait plaisir, merci. Mais du coup, là, j'ai la scène dans la tête, faut juste que j'arrive à bien l'écrire. Donc, objectif de ce live d'écriture d'aujourd'hui, écrire cette scène au moment où ils sont dans la grotte. Et oui, ils sont pas bien, parce qu'ils sont dans la grotte. Et parce que c'est angoissant. Donc voilà, c'est parti. Est-ce que je vais prendre un petit truc à grignoter? Oui, allez, hop. Faut bosser l'ambiance et l'atmosphère, du coup, habille comme je le dis tout le temps. Sans travail d'atmosphère, tu ne ressens rien, donc fail. Exactement. Exactement. Toi aussi, tu aimes torturer tes persos psychologiquement, mais carrément, Jenny. Je dis ça, mais tu sais, c'est carrément. Carrément, carrément. Je vais genre, je suis une fille sympa, mais en vrai, mes personnages, je vais grave les traumatiser. Le quatrième petit déjeuner, mais bien sûr, Christopher, c'est très important, il ne faut surtout pas passer ce quatrième petit déjeuner. Non, mais en vrai, c'est des fruits secs, c'est bon. C'est pas gras, c'est pas sucré. Quelqu'un vient de parler de torture psychologique de perso? Oui, Saskia. Un petit aveu à nous faire. Il faut avouer que torturer ces personnages, c'est plutôt sympathique. Alors, c'est habituel entre eux de se défier. De se mesurer ou se défier? De se mesurer. Savoir qui sera. Attendez, je me coupe 2 secondes le micro parce que je vais tousser. J'ai avalé une mine de travers, je voulais pas vous éclater les oreilles. Voilà. Je pense que mon héroïne mettra ma tête à prix. Mais bon, quoi, ça donne une sensation de pouvoir MDR. Mais oui, mais en fait, c'est ça qui est vachement cool, c'est que tu peux vraiment leur faire subir ce que tu veux. Une fois que t'as fini, hop, tu fermes ton ordi, ton carnet. Tu vas te coucher, l'esprit tranquille. Et tous manquer les petits fous. Mais oui, Gaël, c'était trop bon, c'est bon les ambiances de stream. Mariam a fini de lire le tome 3, si jamais Abby était un peu choquée et deg à la fin. Ah ouais? Bah j'ai hâte de lire ça alors. Alors, c'est habituel entre eux de se mesurer pour savoir qui serait le plus fort. Le plus rapide. Non, le plus fort, le plus intelligent. Ou comme là, le plus rapide. Qui va tomber dans le trou? Osiris ou David? Sachant que David était déjà un peu agacé parce que ses parents l'ont appelé et Osiris, il a un tempérament assez colérique. Et qui s'est fait mal tout à l'heure déjà? Je sais pas trop qui va tomber. Qui faisons-nous tomber dans ce trou? Ça va super bien, je revois mon ami Abby en live. Merci! Plaisir. C'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas fait beaucoup de live. Il était temps, hein. Franchement, ça me manque trop de ouf aussi les lives. Mais du coup, je vais essayer d'en. Là, comme j'ai trouvé un boulot, j'arrive à trouver tout doucement mon rythme de croisière pour pouvoir tout mener de front. Mes petits projets, mes lives, tout ça. Du coup, je suis contente.
Plouf, plouf, ce sera toi qui va tomber dans le trou. Mais comme la bière est douce, ce ne sera pas toi. En vrai, je pense que ça va se finir comme ça, Jenny. Tu fais souvent tomber tes persos, tu fais souvent tomber tes persos, donc tu te souviens d'une cheville qui craque. Non, je ne vois pas de quoi tu parles, Saskia. Ouais, qui c'est ce que tu fais tomber? Parce que si je fais tomber David, il faut savoir que David c'est un hypersensible. Donc il peut vite paniquer, voyez. Ça pourrait être pas mal que ce soit celui qui tombe d'abord. Parce que ce serait le premier à s'engager dans le. Dans la galerie et tout. Mais Osiris, ça serait pas mal qu'il tombe aussi parce que il est vachement colérique. Il pourrait grave s'énerver au fond du trou, quoi. C'est le côté les royaumes de maniaque. Ouais, il pourrait grave s'énerver au fond du trou. Bon, après, pourquoi il s'énerverait? Parce qu'il est tombé? Peut-être parce qu'il s'est fait mal? Oh non, peut-être pas. Parce que. Oh! Il pourrait tomber, casser son téléphone et grave s'énerver parce qu'il a cassé son téléphone en tombant au fond du trou. Et il pourrait du coup presser. C'est en train de se faire son chemin dans ma tête là. Il pourrait grave presser Osiris de sortir de là, donc il faut absolument passer par le tunnel. Et donc il va pousser David à y aller, alors que David il a clairement pas envie, hein. Mais il va le pousser. David va se forcer et David va être en grosse. Il va faire une méga grise, pas grosse. Grosse de crise de panique et d'angoisse. Oh, on va faire ça. Donc il faut que ce soit Osiris qui tombe d'abord. Adieu, j'ai vendu. C'est Osiris qui tombera dans le trou. Va faire ça. Alors, c'est habituel entre eux de se mesurer pour savoir qui serait le plus fort, le plus intelligent ou comme là le plus rapide. On a dit c'est Osiris qui tombe. Hein. Oui, c'est ça. David. On a déjà mis David là. Osiris. Oh, David, Osiris, David, Osiris. Osiris avait piqué un sprint sans même attendre. Attendre l'approbation. Attendre de réponse. Prenons ainsi un peu d'avance. On va faire ça, il va grave fanfaronner, genre oui, je suis en avant, je suis devant, machin, machin. Et là, il va tomber. Et il va être grave vénère, puisque déjà, il va être grave vexé d'être tombé comme un bleu. Et en plus, il va péter son téléphone. Double peine, quoi, clairement. Alors, vous savez, ça avait piqué un sprint sans même attendre de réponse, prenant ainsi un peu d'avance. Prenant ainsi beaucoup d'avance. Son ami le talon. Pas le talonné du coup s'il a pris beaucoup d'avance. Le suivait plus loin. Criant. Des mots inaudibles. À cette distance. Il prit soin d'esquiver les troncs d'arbres. Et pousser sur ses jambes pour garder sa position. Faut que j'explique bien comment ça s'écroule sous ses pieds quand même. C'est à mi-distance du bois. Ou c'est à mi-distance de ce fourré. Dans ce fourré. Non, ça va pas, ça me plaît pas. C'est au milieu du fourré. Non. Oui. Au milieu du fourré. Que c'est clair comme phrase.
insectes au milieu du forêt. Oh, je sais pas. Ça me plaît pas. C'est à mi-distance du trajet. Au cœur même du fourré. Au milieu de la brousse, je te jure. C'est un peu ça l'idée. C'est à mi-distance du trajet ou c'est à mi-distance de la course? Non, mais déjà, une course un peu plus haut. Mi-distance du trajet, encore même du fourré, que quelque chose se produise. Que quelque chose d'imprévu se produise. Confiant, le jeune homme donnait de sa personne. Pour conserver. Je viens de remarquer le piano en fond sonore. Ah oui, c'est vrai. Il est léger, hein. J'ai mis de la musique en fond. Voilà, elle est toute douce. Tout à l'heure, c'était beaucoup plus dynamique. Il y avait du saxo et tout, mais. Là, c'est tout doux. On entend à peine d'ailleurs. Peut-être monter un petit peu, hein. Voilà. C'est ce qu'il y a à se perdre dans ces calques. Oups. Courage. Courage, courage. T'en as autant? T'en as beaucoup? J'imagine que oui, tu t'y perds. Alors, confiant, le jeune homme donnait de sa personne pour conserver... la première place. Au nom de sa fierté personnelle. Au nom de sa fierté. Ou alors, au nom de son ego. Haha, c'est bien ça. Confiant, le jeune homme donné de sa personne pour conserver la première place au nom de son ego. De la sueur. Il est en train de courir tout ce qu'il peut. 80! La vache. Waouh. Mais t'en as beaucoup? Tu m'étonnes que tu t'y perds dans tes calques. 80! Waouh! Alors, de la sueur. Couler. Non, pas couler. Imbiber. De la sueur imbibée. Je vous laisse peut-être à tout à l'heure des bisous et prendre soin de vous et de votre famille. Ça marche. Merci beaucoup, Gaëlle, d'être passée. Ça m'a fait très plaisir. Des gros boutons à toi. Et prends soin aussi bien fort de toi. Ah, bah là, on a une musique un peu plus. Punchy. Mais j'ai pas, c'est pas trop fort par contre là. Par rapport à ma voix, je m'en rends pas compte. Une fois j'en avais plus de 100. Oh lolo. Hop. Bisous bisous. Le plaisir que tu sois passé. Saskia, au niveau de la musique, au niveau de la voix, ça va? Vous m'entendez toujours bien? Parce que la musique, elle est un peu plus punchy, donc je me pose la question.
Il y a déjà une trentaine de calques pour les vagues. Ah oui. C'est sur ton nouveau roman un peu... où t'as... que tu m'as parlé il y a pas longtemps. J'ai essayé de pas faire de spoil. C'est ça. Alors, de la sueur... imbibé. Non. Ok, d'accord. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Oh, la musique est trop forte. Ça me... même moi, ça me gêne, en fait. J'ai baissé un peu. Par contre, je suis plus du tout sur la musique libre. Pardon. Voilà. Non, mais oh. Moi, c'est parce que j'ai atteint le bout. Ouais, je vais baisser un peu. Oh, allez. Je te fais ramer. Oui, donne-moi le... allez. Oh putain. Ça rame. C'est le coup, ça a bugué chez vous. Voilà. Oui, du coup, ça a tout fait bugger. Bravo. Je vais pas mettre de la sueur perlée, parce que je vois tout le temps ce verbe-là avec la sueur, et ça, franchement, ça me saoule. Alors. Comment je vais expliquer ça? Bam, bam, bam. De toute façon, je pense que je vais essayer. Je vais pas arriver au bout de la scène que je voulais écrire aujourd'hui. Ça fait déjà plus d'une heure que je stream, hein. Ça fait plus d'une heure vingt. Donc je pense que d'ici 15h30, j'arrêterai. Alors, confiant, le jeune homme donné de sa personne pour conserver la première place au nom de son ego. Couler, ouais, je sais pas. Je sais pas. J'ai plus envie de parler du fait qu'on voit ou qu'on sente la sueur. Plutôt... enfin, je sais pas comment expliquer ça. Plutôt de parler de la sueur en elle-même, mais plus de ses effets. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Au lieu de dire « il suait », point. J'ai envie de développer, tu vois, en mode « il était trempé, il puait ». Mais j'ai pas envie d'en faire trop non plus, en mode « son odeur corporelle avait étrangement et subitement changé ». Non, non, moi, ça non plus. Donc je réfléchis à comment je peux formuler ça. Comment je peux formuler ce truc là? Dégouliner, ouais, je sais pas. C'est pas forcément un verbe de ça. Apparaisser, ouais, je sais pas. Me convainc pas. Je vais trouver, hein. Je vais trouver, mais. Confiant, le jeune homme donné de sa personne pour conserver la première place au nom de son ego. La sueur parcourait, ouais, non. Je suis relou, hein. Mais ça me convainc, ça me convainc pas. Ça me plaît pas. Ah, il sentit son t-shirt lui coller à la peau. Tandis. Tout en même temps. Que son odeur de travailleur viril. Ça va, non, ça marche pas. Le ciel de dessin vient de se fermer. Oh non, t'as pu sauvegarder? Ah, c'est horrible quand ça arrive, ce genre de truc. Genre, ça m'est déjà arrivé pendant mes montages. Et c'est terrible, du coup, aujourd'hui j'ai grave un réflexe de. Pendant une save. Ah, j'espère que ça a sauvegardé ce qu'il fallait alors. Ça m'a. Ça, du coup, ouais, aujourd'hui je suis grave une frénétique du CTRLS sur première pro parce que j'ai trop peur. Enfin, une fois ça m'a fait ça, ça m'avait défoncé tout le montage quoi, j'étais ravie. Il sentit son t-shirt, parce que c'est vrai qu'ils sont en t-shirt. Lui collait à la peau. Coller à IT, oui, bien sûr, madame. Non, on va arrêter les conneries. Mais coller à la peau.
Alors, il va pas coller d'un coup, hein. Lui coller petit à petit à la peau à cause de la transpiration naissante. Ah, ça me plaît bien ça. Et les fichiers de couverture sont méga lourds et le logiciel a du mal à assumer. Oh là 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 là, courage. Tu travailles avec quoi, Saskia? Avec quel logiciel? Photoshop? Il sentit son t-shirt lui coller petit à petit à la peau à cause de la transpiration naissante aux aisselles. Et dans le dos. D'ailleurs, on pouvait apercevoir quelques traces d'humidité. Quelques traces humides se dessinaient, accompagnées par... Est-ce que je parle de l'odeur ou pas? Non, peut-être pas. On en parlera quand il sera au fond du trou, l'odeur. S-A-I, je connais pas du tout. Je connais absolument pas. Au rythme... de ses pas endiablés. De ses enjambées. Endiablés. Pas endiablés, mais sportifs plutôt. Son cœur avait pris le relais d'un tambourin. Ça veut rien dire, avait pris le relais d'un tambourin. Le long de sa colonne. Non, mais j'aime bien. Et celle est dans le dos, c'est bien. Merci pour la propale, pupi. Son cœur avait pris... Enfin, je peux pas mettre rythme parce que j'ai mis... au rythme de ses enjambées sportives. Ou alors, je change la phrase du dessus. D'ailleurs, on pouvait apercevoir quelques traces humides... D'ailleurs, je vais enlever la virgule. D'ailleurs, on pouvait apercevoir quelques traces humides se dessiner au rythme de ses enjambées sportives. Son cœur... battait follement dans sa cage, menaçant d'exploser sa cage thoracique à chaque instant. Toujours plus quoi. Je verrai si je garde ça ou pas. Je vais le mettre pour l'instant, mais je verrai si je les garde à tout instant. Tant l'effort demandé était intense. En vrai ça passe, mais je sais pas. Je sais pas si ça passe. C'est peut-être un peu abusé. Bon, on verra. En vrai, les phrases, elles sont archi longues à ce moment-là. Et ça me plaît pas trop parce que c'est une course. Donc je veux que ce soit punchy. Et là, poum poum poum. Surtout que j'ai dit qu'il y a quelque chose d'imprévu qui se produit et tout. Donc je vais peut-être remanier ce passage. Je vais le mettre entre parenthèses. Peut-être. Note à moi-même. Je vais faire ça. Note à moi-même. Peut-être tu peux remanier ce passage. Parce que j'ai pas envie de le faire là. Je le ferai plus tard. Ouais, c'est ça, Chris. Ça va, le mec, il court pas le marathon de sa vie non plus, quoi. Il court avec un pote. Donc, je vais le mettre pour le rendre plus punchy et moins abusé. Genre plus réel. Voilà, je vais faire ça. Parce que là, c'est vrai que c'est peut-être un peu too much, quoi. Mais flemme de le faire là. Donc, hop. Attends, d'ailleurs, pourquoi il m'a pas mis en... Il m'a enlevé la justification. Voilà. Hop. C'est vrai que ça paraît peut-être un petit peu abusé, quoi. Ça va, juste il court. Mais pas sa vie en danger non plus. Encore, il sera en train d'être poursuivi par un monstre, je dis pas, mais là, ça va. Donc, il court et quoi. Je vais mettre l'accent sur le côté imprévu, par de l'ambiance des lieux, l'odeur, le soleil, c'est pas un truc. Ouais, non, mais le truc d'imprévu, ça va être l'éboulement, en fait.
C'est ça le truc imprévu, mais t'inquiète, je vais essayer d'y venir là. J'y suis, je suis en plein dedans. On y est. Mais je pense que je vais partir du point de vue, parce que là on est en plein en mode, on était sur le regard de d'Osiris. Et je pense que me mettre sur le regard de, je vais mettre sur le regard de David qui va voir son ami genre poum, disparaître sans savoir pourquoi. David. Accélérer le plus possible pour rattraper son retard. C'est juste la course avec un pote, raconte ou rappelle la rivalité entre les deux. Ouais, bah j'en ai parlé un peu plus haut, j'ai mis qu'ils aimaient bien se défier pour savoir qui était le plus rapide, le plus intelligent, le plus fort et tout. J'en ai parlé de ça. Mais grave. David accélérer le plus possible pour rattraper son ami. Trop loin devant à son goût. Je peux faire un appel là. Ce n'était pas la première fois qu'il se faisait battre. Mais il se faisait devancer plutôt. David portait une étoile. ce n'était pas la première fois qu'il se faisait devancer. Mais une volonté sauvage grondé en lui. Aujourd'hui, il allait gagner. Il devait tout mettre en œuvre pour atteindre son objectif. Après une grande goulée d'air, jeune garçon se mit à courir aussi vite que ce que c'est. Non, ça me plaît pas. Après une grande goulée d'air, le jeune garçon se mit à courir. Je peux mettre le plus vite possible parce que j'ai remis possible au-dessus, c'est pas possible de mettre deux fois le mot possible. Ça fait trop de possible. Après une grande goulée d'air, le jeune garçon se mettait à quoi. Je vous laisse, je vais manger un morceau. Bisous à vous et bonne écriture à Bissa. Ça marche, Chris. Merci beaucoup d'être passé. Et à toutes. Après une grande goulée d'air, le jeune garçon se mit à courir. À toute vitesse. Oh, pourquoi je ne m'écris plus? Voilà. Se met à courir à toute vitesse. Le cadre environnant. Non. Le terrain de. Non. De course-poursuite aussi, ça peut marcher, non? De course-poursuite. C'est vite qu'il le pouvait. Ouais, toute allure. Ah, toute allure, ça me plaît bien, ouais, carrément. Carrément, je vais mettre à toute allure. Allo, Askaijo! Comment vas-tu? Ça me fait plaisir de te voir. Je mets à toute allure du coup.
Le terrain de cette course-poursuite. Je vais mettre cette course-poursuite amicale. Lui pouvait jouer en sa faveur. Peut-être cause était bon en endurance, mais pas vraiment en agilité. D'ici, il le voyait perdre par endroit du temps pour esquiver une grosse racine ou un caillou ou un rocher ou un petit rocher. Enfin, je sais pas, un caillou. Comment est-ce que ça va, Skyjo? C'est plaisir de te voir. Ici, le voyait perdre par endroit du temps pour esquiver une grosse racine. Ou un... Je errais sur Twitch en bossant et j'ai vu de la lumière. Eh bien, tu as bien fait de venir vers la lumière, Skyjo. Tu bosses sur quoi? On peut savoir? D'ici, il le voyait perdre par endroit du temps pour esquiver une grosse racine ou un caillou en plein milieu du chemin. Alors que pour sa part, c'était comme si... Je mets beaucoup de verbes de c'était, il va falloir que quand je ferai la relecture et que j'enlève tout ça. Ou plutôt, je vais essayer de l'enlever là. Alors que pour sa part, ses jambes semblaient connaître la trajectoire avant même que son cerveau n'ait le temps de l'analyser. De quoi lui donner une bouffée d'espoir pour rattraper son ami. On est pas mal là, au niveau de la scène de course-poursuite. Alors que je mette mon téléphone à charger, moi, dites donc. Je réfléchis du coup à la suite. Alors que pour sa part, ses jambes semblaient connaître la trajectoire avant même que son cerveau n'ait eu le temps de l'analyser. De quoi lui donner une bouffée d'espoir pour rattraper son ami. Il leva les yeux du sol un instant pour justement regarder, mesurer la distance restante à parcourir afin de prendre... Travaille sur des illustrations monochromes pour les dieux debout, afin d'écrire un petit texte en dessous qui résume l'histoire de la création mythologique invoquée. Oh, c'est cool! C'est cool, Skyjo. Chouette projet. Pour justement mesurer la distance restante à parcourir.
parcourir. Point. La distance restante à parcourir. Quelques mètres tout au plus. Oui, complètement ce cajou. C'est la première fois que je me lance dans l'écriture d'un roman. C'est un petit peu stressant pour moi. Parce que jusqu'ici, je n'ai écrit que des nouvelles. Et que c'est la première fois que je me lance dans un aussi gros projet. Et voilà. Mais du coup, je me suis aidée de la méthode Flocon. Je sais pas si tu connais, c'est une méthode d'écriture qui te permet de structurer un peu toute l'architecture, tout le squelette du roman. Et du coup, là, c'est mon premier chapitre que je suis en train d'écrire. J'ai écrit le prologue déjà. Si jamais tu veux checker le replay, n'hésite pas, j'ai lu le prologue et le début du chapitre en début de live. Voilà. Et du coup, voilà, c'est l'écriture du premier chapitre. Et je sais que ça va être une duologie. Je sais que le premier roman aura 3 parties avec environ 7-8 chapitres pour chaque partie. Voilà. Après, j'ai aucune idée du nombre de pages que ça me prendra ou quoi. Et c'est de la science-fiction. Et ce roman s'intitule Onirique. Voilà. Et du coup, bah là, on commence le roman avec deux premiers personnages qui s'appellent David et Osiris. Qui sont deux jeunes hommes, meilleurs potes, tout ça, tout ça. Oula. Et là, ils sont en pleine course dans les bois. Et du coup, ouais, c'est un peu stressant pour moi parce que bah, j'ai jamais écrit de format aussi gros. Faut penser à plein de choses. Et du coup, voilà, je me dis de le faire en live, c'est sympa parce que je peux parler avec vous en même temps et ça rend le moment un peu plus sympa. Enfin, voilà. Je trouve ça un peu moins impressionnant que si j'écris toute seule de mon côté. Puis j'aime bien les lives, donc c'est cool. En avoir entendu parler, oui, ouais, il y a moyen, j'en ai parlé pas mal sur Twitter. T'as aussi des applications pour t'aider à structurer un roman et organiser toutes les infos à te rappeler. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Pendant un temps, j'avais testé Scrivener, qui était vachement chouette, qui permet vraiment de structurer chapitre par chapitre. Mais j'arrive pas à m'y faire, c'est du coup trop cadré pour moi. Alors c'est bizarre parce que la méthode Flocon m'a permis de faire tout un cadre. Toute une architecture qui me rassure, mais en même temps, le logiciel Scrivener qui est vachement structuré, ou des logiciels comme ceux dont tu me parles, ça m'angoisse parce que c'est trop cadré. Du coup, là, je suis sur Google Docs de Google Drive, donc c'est en ligne en plus, du coup, c'est vachement cool parce que même si mon PC a un problème, j'ai une sauvegarde automatique, donc c'est cool. Et du coup, je me sens mieux d'écrire sur ça que sur d'autres logiciels, mais. C'est une bonne idée en vrai. Mais moi ça me stresse encore plus. c'est paradoxal, hein. Clairement. Clairement paradoxal, on est d'accord. Mais bon. Enfin bon, du coup, voilà, donc le prologue. Il est écrit, donc là chapitre 1. Et le roman commence du coup sur. Deux meilleurs potes qui font la course. En fait, t'en as un, t'as Osiris qui va tomber dans un trou. Parce que le sol va s'effondrer sous ses pieds. Il va tomber. Et ils vont marcher après dans une galerie souterraine où ça va être de plus en plus étroit. Et du coup, ça va. Ils vont finir coincés, peut-être. C'est une galerie. Et je vous en dis pas plus pour la suite. Il garde un peu de mystère. Ça peut casser le côté spontané. Exactement, c'est ça. Ça me. C'est trop formel, tu vois. Enfin. D'un côté, genre, Scrivener, c'est vachement bien parce que tu peux vraiment organiser, genre, un dossier, un chapitre et tout. Tu peux les moduler comme tu veux et tout, mais. Ouais, ça me casse. Moi. Enfin, en tout cas, j'ai essayé. C'est pas marché. C'est comme le nano. Je sais pas si vous connaissez le nano. J'en entends parler depuis des années. Il y a 3 ans. Je me dis, tiens, j'essaye. Bah, au bout de 2 jours, j'ai fait nope. Parce qu'en fait. Alors, j'aime beaucoup l'ambiance que ça retranscrit. Parce que c'est plein de gens passionnés par l'écriture qui se motivent les uns les autres et c'est vachement cool. C'est ça qui m'a fait dire, vas-y, j'essaye moi aussi, machin et tout. J'étais prise dedans, dans l'ambiance et tout. Et franchement.
J'ai fait nope parce que le fait d'avoir un nombre de mots imposés par jour, je me suis rendu compte que moi ça me convenait pas du tout. Au contraire, ça me bloquait totalement et ouais, non, c'est vraiment pas un truc tout fait pour moi. Enfin, du coup, je sais pas, mais moi ça me. Le fait de m'imposer quelque chose comme ça, c'est plus contre-productif qu'autre chose. Enfin, je fonctionne pas à la pression quoi. Enfin, là, c'est. Après, c'est une pression si tu t'en donnes une et si tu le vois comme ça. Mais. La pression. Enfin, je trouve que le nano, il a vraiment beaucoup de pression. Je trouve que ça met beaucoup de pression parce qu'en plus, tu vois tous les gens autour de toi qui écrivent 40 000 mots et tout. Toi, t'es là. J'ai pas encore ouvert mon fichier. Bah, voilà. Shanovni, je connais rien de rien. Mais y a pas de souci, Jenny. Pas de souci. Mais ça s'appelle le Nano Vrimo, ça se passe en novembre. Donc là, il y a plein de gens qui préparent leur Nano Vrimo, genre leur planning et tout. Et en fait, c'est un événement qui dure tout le mois de novembre. Et le but, je crois, c'est d'écrire 50 000 mots en un mois. Ou alors tu fixes ton propre nombre de mots. Et en fait, tu passes par un site qui calcule. Genre, par exemple, si tu te fixes, je sais pas, 7 000 mots pour une semaine, il va te dire, voilà, faut que tu écrives 1 000 mots chaque jour. Et t'as des badges si tu réussis tous les jours et tout. Mais voilà, ça, je trouve que ça met un peu la pression. Je trouve. Autant les défis de dessin, ça passe, mais les défis d'écriture, j'ai vachement de mal. Ouais, non, mais c'est sûr, c'est la même chose, hein. C'est le même principe. C'est le même principe. C'est imposer une forme de régularité et de rigueur, en fait. Et c'est pour ça, tu vois, par exemple, pour le Whitetober AE, que je l'ai lancé sur Instagram, bah, j'ai bien précisé, vous êtes libre. Du nombre de mots, de la forme, de défaire tous ou pas. Enfin, tu vois, par exemple, hier, je me disais, oh là là, j'ai fait quoi les 4-5 premiers thèmes et j'ai pas remis une dent depuis. Et je commençais un peu à m'en vouloir, à me culpabiliser, surtout qu'en plus, j'étais en mode, ouais, c'est toi qui l'as lancé, écoute, meuf, tu abuses. Mais juste après, je me suis mentalement mis une gifle mentale et je me suis dit, mais non, enfin, c'est libre. C'est libre, il n'y a pas de pression à avoir. Donc si tu l'as pas fait, c'est pas grave, c'est ok. Enfin bon. Merci pour le live, je vais essayer d'aller streamer aussi. Et si ça marche pas, je reviens. Ça marche, le club sans Twitch. Et merci beaucoup d'être passé, ça fait plaisir. Et bon stream à toi si ça marche. Bridé par les règles. Mais oui, c'est ça, Bernay, en fait. C'est une espèce de. Enfin, ouais. On est bridé, ouais. Je suis du genre à écrire d'instinct. Ouais, bah ça se casse pareil, tu vois. C'est pour ça, en mode. Enfin, feeling, quoi. Ça me fait penser à Linktober. Ouais, c'est un peu l'idée, mais en fait, c'est le même principe. C'est un espèce de challenge de régularité et de rigueur. Mais faut pouvoir. Moi, je sais que je fonctionne pas du tout comme ça. Mais bon. Chacun son fonctionnement aussi, hein, finalement. Et c'est cool qu'on ait tous des fonctionnements très différents parce que on peut s'échanger de la manière dont on fonctionne et ça peut nous donner des idées, des motivations. Enfin, c'est intéressant. Et ce que je trouve ça cool, c'est que la finalité est la même, c'est qu'on écrit des livres, mais pas tous de la même manière. On n'y arrive pas tous de la même façon, mais la finalité est là et je trouve ça juste ouf. C'est trop cool. C'est beaucoup trop cool. Enfin voilà. J'ai créé une chaîne Twitch. Elle est vierge, j'arrive pas à me lancer en live en vrai. C'est vrai, tu voudrais te lancer sur des lives, Jenny? Tu voudrais faire quoi? Je ferai des thèmes en novembre du coup, parce que là j'ai pas le temps entre le Stealthtober plus tout ce qu'il y a à faire pour la sortie du livre, plus la boutique en ligne et le rush des articles de Noël. Il y a pas de soucis, ça, ce qu'il y a, franchement. Tranquille. Et tu m'étonnes, t'es déjà pas mal occupé là quand même. Le Stealthtober il est vachement chouette. Si j'avais dessiné, j'aurais osé, mais je sais pas dessiner. J'aurais sur Twitter, oui, Facebook et Insta, c'est pas diversifié, mais c'est un cadre rassurant, je trouve. Ouais, non, mais complètement, Jenny. Enfin, tu dis c'est pas diversifié, mais si, c'est carrément diversifié. Enfin, t'es Twitter, Facebook, Instagram, c'est déjà énorme, hein. Tu sais, je connais des auteurs qui sont que sur Facebook, ou que sur Insta, ou que sur Twitter, ou. Enfin, voilà. Mais après Twitch, voilà, c'est une autre forme de contenu, quoi. C'est pouvoir proposer du contenu en live et être OK sur l'idée
Enfin voilà, c'est une forme beaucoup plus instantanée que ce que tu peux proposer sur Twitter et tout. Enfin, là, voilà, je vous parle comme si je la connais de vous, quoi. En temps réel. Mais bon. Je voudrais faire découvrir aux gens l'Amazonie et les populations incas, entre autres. Mais aussi parler de mon univers. Ouais, ça peut être super intéressant, Jenny. Carrément. Mais reste dans les parages de mes réseaux sociaux. Il y a une idée qui va arriver début d'année prochaine. J'ai déjà commencé à en parler aux contributeurs et contributrices du Tipeee, puisque voilà, je leur donne les news en avance. Mais j'ai une idée de projet qui va arriver début d'année prochaine qui peut peut-être t'aider pour ça. Enfin voilà, on pourrait te proposer un truc. Reste dans le coin. Mais mon bonhomme bâton, c'est ok, ouais, je sais bien, c'est ce qu'il y a, c'est gentil. Mais en vrai, j'ai pas le temps non plus. En vrai, j'ai pas mal de choses à gérer et tout, mais. Mais peut-être qu'un jour, une année, je me lancerai. J'ai toujours trouvé ça fascinant, Linktober, en vrai. J'ai vraiment toujours trouvé ça très fascinant et ça me plairait bien de tenter un jour. De l'essayer. J'adore voir les artistes sur les réseaux en faire en tous les sens, quoi. C'est trop cool. Mais bon, j'en suis pas encore là. Et pour le moment, je suis en train d'essayer d'écrire un roman. C'est pas facile, les petits gars. C'est pas facile du tout. Alors, je vais essayer d'écrire jusqu'au moment où il tombe dans le trou. Et puis je vais y aller. Parce que ça fait quand même presque 2 heures que je live. Du coup, je suis un morpion. Une fois abonné, je suis parfait MDR. Mais non, t'es pas un morpion, Jenny. T'es tellement beaucoup plus adorable qu'un morpion, voyons. On peut dire que t'es comme le pollen, tu vois. Tu voles par-ci par-là. Allez, je vais jouer la scène au moment jusqu'au moment où il tombe. Et puis après, go. Dis-toi qu'à la base, je voulais le faire avec une compo par jour. Waouh, Sasuke. En vrai, ça peut le faire, mais là, t'as beaucoup de trucs en même temps. Hein. Je te comprends que t'es pas le temps, quoi. Mais c'était ambitieux, en tout cas. C'était pas mal ambitieux. Alors, il leva les yeux du sol un instant pour justement mesurer la distance restante à parcourir. Quelques mètres tout au plus. Je me suis rappelé que j'avais une montagne de trucs à faire. Et la réalité est arrivée en pleine face. Tu m'étonnes. Bon. Il faut que Osiris tombe. Un morpion, c'est mignon, ça se loge dans le poil. Certes, Bernie, certes, mais. Je suis pas sûre que quand même ça a une tête franchement mignonne, un morpion. Mais oui, c'est ce principe, ça va dans les poils c'est tout doux, tout ça, on peut extrapoler ça comme ça, évidemment. Quelques mètres tout au plus. Vous me faites rire, j'adore. Donc là, il court. Un saut. Un autre. De l'accélération. En gros, non. Il devait gagner. Coûte que coûte. La tête des arthropodes. Ouais, je te jure. Donc là on est sur Osiris. On est sur Osiris ou David? Merde, j'ai un doute. C'est Osiris qui court ou c'est David? Non, c'est Osiris. Ah non, c'est David! Ah oui, parce qu'on a dit qu'on devait voir. Je vais enlever coûte que coûte. Parce que coûte que coûte, ce serait plus. Correspondrait davantage à Osiris. Qui est beaucoup plus punchy. Il devait gagner. Après avoir contourné un quoi d'ailleurs, ou peut-être on va faire plutôt, après avoir sauté au-dessus de quelques flaques, pas quelques, puisque quelques j'ai déjà mis, de flaques, de croupies, de l'eau croupie, pardon, on arrive à un moment donné où mon cerveau déconnecte et je fais n'importe quoi.
De l'eau croupie, en plus, ça pue. Donc, après avoir sauté au-dessus de flaques d'eau croupie, sa tête se releva une seconde fois pour estimer sa position vis-à-vis de son adversaire. Mais celui-ci avait disparu. Non, on va pas faire comme ça parce que c'est trop soudain. Mais quelque chose... Mais non, pas quelque chose, parce que j'ai déjà mis quelque chose. Ah ! Mais... Parce que là, en gros, je veux dire, mais il y avait un truc qui était pas normal. Mais comment dire ça? Je peux mettre mais un truc n'était pas normal. Ça va pas. Mais. Mais Osiris semblait en difficulté. Voilà. Au lieu de courir tout droit, il zigzaguait plus que de raison, alors que rien... Bah, c'est le quelque chose qui me gênait... qui me gênait, parce que j'avais déjà mis un peu plus haut avec quelques mètres. Mon calque, tu vois, si je le mets trop... là. Mais je pense que la Méosiris semble en difficulté, ça m'a l'air pas mal. Au lieu de courir tout droit, ils égrillaient de plus que de raison, alors que rien ne semblait... alors que rien ne justifiait... ces écarts. À droite ou gauche. Brusque. Un cri, puis... plus rien. Son meilleur ami venait... de disparaître, englouti par le sol, Mon ami venait de disparaître, englouti par le sol. Englouti brutalement par le sol. Je sais pas si c'est bien ça. Mon ami venait de disparaître, englouti brutalement par le sol. Le tiré cadre atteint, alors que j'avais mis là-haut. Faut pas déconner. Sinon, je vais me faire taper dessus sur les doigts par Tata Nexua. On met le bon tiré pour le dialogue. On n'a peut-être pas besoin. Mais j'ai des copiés. Au moins, on est bon. Rose. Pas de réponse. Et j'arrête l'écriture sur ça. C'est terrible. Je vous laisse sur un suspense insoutenable. Est-il encore en vie? Mais où est-il disparu? Pourquoi est-il bleu, brutalement englouti par le sol? C'est terrible. Eh bien, écoutez, chers amis, merci beaucoup à vous d'avoir été présents ce jour. C'était vraiment très agréable de pouvoir écrire, de papoter avec vous, de tout d'écriture, de pas d'écriture, tout ça, tout ça. Je vais regarder si on peut raid quelqu'un. Je ne vois pas Club sur Twitch revenir, donc peut-être qu'elle est en train de streamer. Je vais regarder tout de suite. Je ne vois pas streamer. Ah si, ceci. C'est juste que je la foule ou pas. Mais quoi? C'est la pause pipi, je reviens dans pas longtemps. Allez, en pleine pause pipi, d'accord.
Et ben, du coup, j'ai pas la raid, parce que c'est là un peu une pause pipi, je vais pas la raid. Si je voulais qu'elle m'envoie. Alors. Ma gueule, on ne sait même pas ce qu'il s'est cassé, c'est psychologiquement rien d'humain. Mais avec plaisir, merci à vous. Ça n'aurait pas été cool si vous n'avez pas été là. Donc merci beaucoup. Merci, bon après-midi également. Et je suis en train de regarder qui c'est on pourrait. On pourrait streamer, mais ouais, Club Sandwich, je l'ai vu. Vous savez quoi, on va la streamer quand même. On va la raid quand même, pardon. Même si elle est en pleine pause pipi, c'est pas grave. Alors, je vous dis du coup bonne après-midi à vous. Et puis du coup, restez dans le coin. On va aller faire un petit coucou à le club sur Twitch. Donc, il est une artiste de talent, sachez-le. Voilà, on va aller voir ce qu'elle fait. Donc, je vais lancer le raid. Donc, ça va vous envoyer automatiquement chez elle. Et je vais ouvrir d'ailleurs Twitch ici pour pouvoir voir. Hop. Voir le raid se faire. Et puis. Comme en plus je la follow pas, quoi, je la follow aussi. Le club sur Twitch. Hop. Bisous à tous de la région bordelaise. Ah, oh, c'est gentil. C'est gentil, c'est gentil. Et eh ben écoutez, moi je vous fais plein de poutous. Et je vous dis à très vite sur les réseaux sociaux. Oh, ça m'a l'air compliqué son stream là. Et du coup, vous pouvez me suivre sur Instagram. Voilà, sur Tipeee. Sur YouTube. Et puis j'ai mon podcast. Si vous avez envie. On peut pas la streamer. Mais c'est pas grave, on va vous envoyer chez Eve. C'est une artiste aussi. Que j'aime beaucoup. C'est une chouette artiste. Donc restez dans le coin. On va les faire coucou. Et puis je vous fais plein de poutous. Et je vous dis à bientôt.